Frères et sœurs, chacun de nous a pu l'entendre, Dieu l'a dit dans sa parole, jusqu'à l'achèvement des êtres et des choses, jusqu'à l'accomplissement avec vous, je me tiendrai. Et c'est comme une charpente dans l'émiettement de nos jours. Chacun de nous a pu l'entendre, Dieu l'a dit dans sa parole, à n'importe quelle heure, ma porte est ouverte. Il suffit d'entrer et de vous asseoir près de moi. Et c'est comme une nourriture dans l'épuisement de nos jours. Chacun de nous a pu l'entendre. Dieu l'a dit dans sa parole. Si vous êtes ensemble à cause de moi, je suis au milieu de vous. Et c'est comme une présence dans l'isolement de nos jours. Frères et sœurs, gardez courage. Mettez-vous devant notre Dieu. C'est lui qui nous garde. Il est notre roc. Il est notre libération. Il est la promesse qui vient. Et avec le psaume du jour, le psaume 130, nous louons notre Dieu. Depuis les profondeurs, je t'invoque, Seigneur. Seigneur, entends-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu prenais garde aux fautes, Seigneur, Seigneur, qui pourrait tenir debout? Mais c'est auprès de toi que se trouve le pardon, afin qu'on te craigne. J'espère le Seigneur, j'espère vraiment. J'attends sa parole. Je compte sur le Seigneur, plus que les gardes sur le matin, plus que les gardes sur le matin. Israël, attends le Seigneur, car c'est auprès du Seigneur qu'est la fidélité. Et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Avant de lire ensemble la Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons être entre tes mains comme l'argile dans les mains du potier. Donne-nous ton esprit, ouvre nos cœurs, et que ta parole nous façonne à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Car ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Alors, Seigneur notre Dieu, que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends de chacun et de chacune. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le texte que je souhaite partager avec vous aujourd'hui se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, toi seul le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses ossements. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement,
Et les ourselets s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint de nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point à eux d'esprit. Le Seigneur me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs de l'Église de Nice-Saint-Esprit et de Nice-Transfiguration, chers frères et sœurs qui regardaient ce culte par vidéo, eh bien oui, ce texte du prophète Ézéchiel que nous venons d'entendre est un texte qui nous parle d'une résurrection. Ce sont des paroles de résurrection qui se passent dans un contexte de désolation totale, une vallée remplie d'ossements desséchés. Cette célèbre vision d'Ézéchiel, eh bien, c'est un épisode très significatif, parce que finalement, le texte nous dit que ces ossements représentent le peuple d'Israël. Ézéchiel, en effet, vit dans un moment historique pénible. Le pays d'Israël est occupé par des ennemis. Toute une partie de la population est amenée en déportation. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de roi, il n'y a plus d'ordre social, plus de gouvernement et plus de temple. Donc le culte est impossible. Et en quelque sorte, à l'époque historique d'Ézéchiel, Israël ressemble vraiment à un mort, à des ossements desséchés. Et je voudrais attirer votre attention tout d'abord sur le détail de cette vision. L'esprit conduit le prophète dans cette vallée. Alors il est très facile de comprendre que cette image d'ossement desséché, c'est une image qui va bien au-delà de la simple mort. C'est en quelque sorte le paroxysme de la mort. Ce ne sont pas des corps, des cadavres, mais des squelettes qui n'ont plus un seul morceau de chair ou de nerf sur eux. Donc une situation qui peut paraître irrécupérable. Et l'esprit conduit Ézéchiel à parcourir cette vallée, en quelque sorte à établir un état des lieux de la situation, à prendre connaissance de cette situation. Et là, il se vérifie quelque chose de très intéressant sur lequel j'aimerais attirer votre attention ce matin. Eh bien, Dieu pose une question à Ézéchiel. Il lui dit, « Fils d'homme, est-ce que ces ossements peuvent retrouver la vie ?» Alors, c'est une question que je pense Ézéchiel a dû recevoir avec une certaine appréhension. Et c'est très intéressant de la manière où Ézéchiel répond à Dieu. Parce que Ézéchiel aurait pu répondre, porté par la foi du charbonnier, en disant, « Mais bien sûr, Seigneur, si tu veux, ces ossements peuvent reprendre vie. » Ou bien il aurait pu répondre à cette question selon notre logique humaine, selon notre manière d'apprendre, de comprendre, d'interpréter la réalité, en disant tout simplement, ben non, ce sont des ossements desséchés, il n'y a aucune possibilité qu'ils puissent revivre. Mais Ézéchiel ne choisit ni cette première réponse, ni cette deuxième réponse. Il dit tout simplement à Dieu, Seigneur, toi seul, tu le sais. En quelque sorte, remet entre les mains de Dieu la réponse. Parce que aucun être humain est capable et peut se permettre d'agir et de penser à la place de Dieu.
Et d'ailleurs, frères et sœurs, cette situation difficile de confinement au cœur d'une pandémie, cette situation dans laquelle nous aussi ne pouvons plus cultiver la relation à l'autre telle que nous étions habitués de faire, eh bien, c'est une situation qui nous pose des questions. Parfois, certains d'entre nous se demandent pourquoi Dieu permet cette situation. Il y a aussi des églises, des groupes, des mouvements qui se sont réunis à certains moments en devenant en quelque sorte agents actifs de cette contagion. Eh bien oui, nous sommes dans une période où les questions se posent et nous sommes aussi dans une période dans laquelle chacun et chacune de nous peut avoir l'impression, tout comme Ézéchiel, de parcourir une vallée d'ossements desséchés. Où les ossements desséchés, ce sont toutes ces réalités, toute cette situation sur laquelle nous avions fondé notre existence. Chacun et chacune de nous, dans cette situation de confinement, vit une réalité profondément différente. Il y a des personnes parmi nous qui travaillent encore plus qu'avant, alors qu'il y a des personnes qui se retrouvent soudainement sans activité. Il y a des personnes qui ont la possibilité de maintenir leur niveau de vie économique, et il y a des personnes qui ont des très importantes pertes financières à déplorer dans leur activité. Il y a des personnes qui gardent la confiance, il y a des personnes qui ont peur. Il y a des personnes qui vivent positivement cet isolement, et il y en a d'autres pour lesquelles cet isolement est vraiment très lourd à porter. Oui, dans cette situation, nous nous retrouvons en quelque sorte comme Ézéchiel, confrontés aux ossements desséchés de ce qui était important pour nous aujourd'hui et qui n'existe plus et que nous ne pouvons plus cultiver, mais aussi face à notre futur. Un peu comme le peuple d'Israël à l'époque d'Ézéchiel, dont une partie de la population était déportée, dont il n'y avait plus d'ordre social ou de royauté, dont il n'y avait plus non plus d'ordre religieux. Eh bien oui, je trouve, frères et sœurs, que ce texte du livre du prophète Ézéchiel nous fait réfléchir. Et face à tout ça, face à ce constat et à cette évidence, la réponse d'Ézéchiel est « Seigneur, toi seul, tu le sais ». Et je trouve que cette réponse d'Ézéchiel est une magnifique confession de foi. Je pense que la confession de foi que chacun et chacune de nous est appelé à dire à Dieu, non seulement dans les situations difficiles ou inédites telles que celles que nous vivons en ce moment, mais aussi chaque jour de notre vie, lorsque nous sommes confrontés à la complexité et parfois aussi à la difficulté du réel. Seigneur, toi seul tu le sais, mais une chose est sûre, j'ai l'assurance, tu es à côté de moi, tu es au centre de ma vie, et tu marches, tu chemines avec moi, même à travers les épreuves les plus difficiles. Et voici que, à la suite de cette réponse d'Ézéchiel, de cette confession de foi, il se passe quelque chose de très important. Le Seigneur demande à Ézéchiel de prophétiser. Bien sûr, si on lisait ce texte avec toujours la foi du charbonnier dont je parlais tout à l'heure, on aurait pu en quelque sorte s'attendre à ce que Dieu agisse lui-même directement, que pour montrer sa puissance et sa gloire à Ézéchiel, décide de faire renaître la chair et les nerfs sur ses ossements desséchés. Mais non, il n'en est rien. Le Seigneur peut, bien sûr, changer la réalité, mais pour cela, a besoin d'Ézéchiel. A besoin qu'Ézéchiel prononce une parole prophétique. Il a besoin qu'Ézéchiel appelle l'Esprit qui arrive des quatre vents pour faire revivre ses ossements desséchés. Frères et sœurs, ce texte biblique nous dit que Dieu a besoin de nous. Et je pense que dans ce constat se trouve toute la richesse de l'Église que nous sommes. Si le Seigneur nous appelle à être l'Église, c'est bien parce que nous avons une mission à accomplir. Le Seigneur peut remettre la vie, peut remettre des nerfs, de la chair sur ses ossements desséchés, tout comme il peut transformer profondément les situations et la vie de chacun et chacune de nous. Mais encore faut-il que nous ayons l'audace d'une parole.
Encore faut-il qu'au lieu de nous poser des questions, nous nous mettons tout simplement, comme Ézéchiel, à l'écoute de Dieu. Seigneur, toi seul, tu le sais. Et je crois que dans cette situation inédite dans laquelle nous vivons, chacun et chacune de nous est appelé à cela. Il est appelé à faire silence dans sa vie et dans son cœur, à faire taire pour un instant toutes les questions que nous nous posons et que les autres nous posent, pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, pour comprendre et saisir quelle parole prophétique le Seigneur veut que nous disions dans cette situation. Parce que seule la parole de Dieu peut porter du sens, remettre du sens dans nos vies. Bien évidemment, cette image du livre d'Ézéchiel est une image très dure, très forte, presque extrême. La situation de confinement que chacun et chacune de nous vit, bien qu'angoissante, bien qu'est différente selon les conditions dans lesquelles chacun et chacune de nous se trouve, ce n'est pas comparable à cette vision du livre du prophète Ézéchiel. Mais néanmoins, nous aussi, en ce moment même, nous pouvons faire l'expérience de cette désolation, de cette crainte, de cette difficulté à voir après, à voir notre futur. Eh bien, frères et sœurs et chers amis, cette parole du Seigneur, cette vision du prophète Ézéchiel, cette exhortation que Dieu adresse à Ézéchiel à prophétiser, nous dit que nous ne sommes pas seuls et que Dieu a besoin de nous pour que sa parole puisse être répandue dans le monde, pour que sa parole puisse, dans cette situation où chacun et chacune de nous perd le repère, où toutes les personnes qui avant n'existaient que par leurs activités qui se retrouvent désœuvrées, puissent trouver un sens nouveau. Nous sommes tous, comme Ézéchiel, investis d'une mission en ce moment, mais encore faut-il que nous arrêtons, nous, de nous poser des questions et que nous disions à Dieu, dans la confiance et dans la joie et l'espérance, « Seigneur, toi seul, tu le sais. » Alors que le Seigneur puisse parler à travers chacun et chacune de nous, qu'il puisse nous donner l'audace et la joie d'une parole prophétique, qu'il puisse nous éclairer et nous accompagner, et qu'il nous donne de voir jour après jour, tout au long de cette période si particulière, de la chair nouvelle, des nerfs nouveaux se constituer autour de ces ossements desséchés. Que le Seigneur nous conduise et nous accompagne aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous confessons notre foi. Et je vous invite à dire tous ensemble le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts.
Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, à chaque culte, vous le savez, il y a toujours un temps d'offrande. Notre Église ne vit que de dons. Et nous avons besoin de rentrées régulières d'argent pour maintenir à flot nos finances. Il est bien certain que la situation actuelle est compliquée et que l'économie est dans une situation particulièrement préoccupante. Qu'ainsi, notre appel se joint à beaucoup d'autres. Que chacun fasse selon son cœur et selon ses moyens. Il y a moyen de faire un don en ligne sur notre site internet et la dernière lettre de la paroisse que nous avons envoyée contient un lien qui permet de le faire directement. Dans tous les cas, comme le dit l'apôtre et comme nous le disons régulièrement chaque dimanche, normalement cette phrase, cette exhortation est importante, que celui qui donne le fasse avec joie. Et c'est maintenant un moment d'annonce. Frères et sœurs, nos pensées et nos prières vont vers la famille d'Amilano, vers notre sœur en Christ Mireille, suite au décès de son mari, Max d'Amilano. Et nous pensons très fort aussi à la famille de Madame Janine Metzger, décédée récemment. Alors nous les portons dans notre prière, ces familles, et nous vivrons par la suite des célébrations, un temps de culte avec eux, avec chacun et chacune d'eux. Et puis nous nous réjouissons de la nouvelle de la naissance d'Abigaël dans le foyer de Federico et Lucille Pavan. Voilà donc notre plus jeune paroissien qui est venu au monde et nous pensons très fort à eux et à leur famille. Et puis nous voulons remercier les membres de notre communauté qu'à distance ont participé à la liturgie de ce culte. Nous remercions Luc pour le morceau d'orgue au début, Jean-Michel pour la lecture du psaume, Johan et Jordan Pénélope qui ont chanté tout de suite après la prédication, et Justine de 3 ans et demi et Gaspard de 2 ans et demi qui ont fait les dessins que vous avez pu voir. Nous allons essayer par la suite de ce culte de faire participer la plupart d'entre eux. Nous. Et vous le savez, nous avons en plus des appels téléphoniques réguliers et des newsletters que nous envoyons, un groupe sur WhatsApp qui nous permet d'être en lien et d'échanger des informations. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à me contacter en indiquant votre nom et votre numéro de téléphone ainsi que votre accord pour participer au groupe. C'est maintenant le temps de la prière d'intercession. Nous nous unissons maintenant dans la prière tous ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous savons que tu le gardes malgré tout ce qui le frappe. C'est dans cette confiance aveugle, tant les souffrances, les malheurs et les injustices nous semblent parfois si infini, que nous pouvons maintenant déposer devant toi nos soucis, nos peines, nos prières. Nous te remettons nos frères et nos sœurs en cette période si difficile. Fais-leur sentir ta présence, espérer dans ta parole. Nous prions aussi tout particulièrement pour celles et ceux qui sont exposés. Protège-les. Celles et ceux dont le confinement exacerbe les problèmes et les difficultés. Apaise-les. Celles et ceux qui souffrent, qui sont dans le deuil, dans la maladie, dans les angoisses
ou le désespoir. Seigneur notre Dieu, nous te remettons notre monde tout entier, particulièrement ses dirigeants. Fais-nous sentir la nécessité de la solidarité et ne nous permets pas d'oublier que les guerres continuent, que les migrants continuent de chercher refuge en quittant tout, souvent au péril de leur vie et de celle de leurs enfants. Donne-nous courage et espérance. Et nous voulons rassembler toutes nos prières dans celles que tu nous as enseignées en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gonflés de pluie, ils la déverseront sur la terre. Si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est à la place où l'arbre tombera qu'il restera. Qui observe le vent ne sèmera pas, qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais pas le mouvement du vent ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Le Seigneur Dieu vous bénit et vous garde. Allez dans sa paix. Amen.